Incite à vendre, des salariés préservés. PSA veut céder ses bâtiments dédiés à l'ingénierie et à la conception de ses véhicules, sans licenciement, précise la direction. Les 660 salariés seraient transférés d'ici un an dans d'autres sites, à Vélizy et Poissy dans les Yvelines, sans lever de bouclier. Le groupe est en difficulté, il n'est pas très étonnant qu'il y ait une opportunité de transférer des activités juste à côté, de libérer le site et de le mettre en vente. Le terrain, les bâtiments doivent avoir certainement une valeur intéressante pour le groupe. Meudon n'est pas Aulnay, bastion de la fronde des syndicats. Le site emblématique de PSA va lui fermer l'année prochaine, laissant 3000 salariés en plein doute. PSA vend les bijoux de famille, le site de Meudon va rapporter du cash, utile quand le constructeur met la dernière main à son plan social. Au total, 11 200 suppressions de postes sont prévues d'ici à 2014. PSA veut sortir par le haut d'un conflit social qui s'enlise et rattraper le temps perdu. Dernier acte, l'ouverture d'une négociation sur la compétitivité, à l'instar de Renault, et réunissant direction et syndicats dès le 29 mai. Objectif, évoquer le redressement du groupe, confronté au recul persistant de ses ventes sur le vieux continent.